Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le tour de ma collection de jeux qui est dédiée aux enfants. Alors on va commencer par ce premier coffret qui est Parole de fée à la rencontre de votre magie, qui a été réalisé par Aline de Pétigny et qui est accompagné en fait de livres. On a ici plusieurs livres, vous voyez, vous avez un coffret avec trois livres à l'intérieur. Je vous ai fait une présentation de ce livre. On a une petite fille qui s'adresse à la fée qui habite à côté de chez elle et qui lui pose des questions sur la vie. C'est un coffret qui est vraiment bien fait pour les enfants. On peut autant justement lire les histoires qu'ensuite utiliser les cartes qui sont proposées. Donc les histoires sont très bien faites, la façon dont parle l'auteur, Aline, est vraiment dédiée, elle a un ton qui est vraiment dédié aux enfants pour bien faire comprendre les notions, les différentes notions. Elle va parler par exemple des accords Toltec, elle va parler des lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, elle va parler des techniques de visualisation créative par exemple dans celui-ci. Et à chaque fois, elle va reprendre comme ça des grandes notions pour les expliquer, pour les mettre à jour et pour les rendre lisibles et compréhensibles pour les enfants. Donc voilà, c'est un coffret que j'aime beaucoup. Et il est accompagné de très jolies cartes. Voilà, on va travailler sur les émotions. J'explore la vie avec gourmandise. Apprécier. Et les illustrations sont très douces comme ceci, j'aime beaucoup se bonifier, ressentir, légèreté. Donc on peut aussi à chaque fois travailler sur une notion avec l'enfant. Aujourd'hui, tu as besoin de confiance en toi. On va travailler sur le thème de la confiance avec j'accueille mes émotions. Et ensuite vous avez ça comme base et vous pouvez bien sûr expliquer à votre enfant comment accueillir les émotions. Regardez aussi dans les livres qui les accompagnent si vous avez des textes qui peuvent vous aider et vous guider. Voilà, donc un très très joli jeu. Je vous mets les références de tous ces jeux, je vous les mets en barre d'infos. Donc à la rencontre de notre magie oubliée et Parole de fée. Donc c'est un coffret. Voilà. Ensuite, vous avez un second coffret que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes jeux préférés pour les enfants. Le petit grimoire au grand pouvoir de Mallory Malmaison et des illustrations de Camille Bellet. Aux éditions Contredire, je vous ai fait une présentation il y a peu de temps de ce jeu. Il est vraiment très très bien fait. Alors, il est dédié vraiment aux enfants. C'est pas vraiment pour les adultes. Voilà, donc on a à chaque fois des petits exercices aussi. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que chaque carte propose un petit exercice pour plonger dans l'univers de la carte. On a des visualisations, etc. Et c'est pareil, on va travailler sur le pouvoir de l'intention, de la visualisation. On va travailler sur l'ancrage, la pleine conscience. On va voir le pouvoir de la relaxation, le pouvoir du sommeil, de la guérison, de la nature. Donc plein de thèmes qui sont abordés, qui sont expliqués de façon simple pour les enfants. Et ensuite, dans chaque thème, vous retrouvez plusieurs cartes. Voilà. Les cartes sont, à mon goût, et ça je trouve ça un peu dommage, trop grandes pour des mains d'enfants. Comme c'est un coffret qui est réservé aux enfants, c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir des cartes un petit peu plus petites. Bon, ma fille a 4 ans, donc forcément elle a vraiment des petites mains. Mais c'est sûr qu'elle ne peut pas battre le jeu ou voilà, elle est un petit peu gauche avec ses grandes cartes dans les mains. Ouais, j'adore les illustrations tout en couleurs comme ça, c'est vraiment sympa, c'est très attirant pour les enfants. Donc ça reste mon top one. Des jeux pour les enfants, c'est celui-ci que je préfère. Après bien sûr, il y a des jeux pour les enfants de différents âges. Par exemple, celui-ci pour 4 ans, c'est un peu juste. À partir de 6 ans, c'est mieux. Celui de Parole de fée sur Aline, il est, je pourrais dire qu'il est à partir de 4-5 ans. Après, on peut toujours, s'adapter à l'âge de l'enfant aussi. Alors, les trois coffrets de... Alors, je vais pousser ça. Les trois coffrets de Gillian Camp... sont très sympas.
Vous avez celui sur les sorcières, celui sur la magie des arbres, celui sur le royaume des fées. Le royaume des fées est très très adapté aux enfants, aux jeunes enfants. Ce sont des petites cartes comme ceci qu'on a à chaque fois, donc les enfants peuvent s'amuser avec. C'est très sympa. On a la même chose pour le thème des sorcières et sur le thème des arbres, c'est pareil, les cartes sont de cette taille-là. Donc ça, c'est pas mal. Et ce sont des coffrets qui sont adaptables aux enfants, mais aussi pour les adolescents. Voilà, pour 12-13 ans, je trouve que ce sont des coffrets vraiment parfaits pour cette tranche d'âge, à partir de 10 ans. Quand déjà, justement, vos enfants savent lire, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls avec le coffret, faire leur propre petite tambouille, leur propre petit tirage, ces trois coffrets sont vraiment géniaux. Donc, je vous montre les illustrations sur celui sur les sorcières. Celui-ci, je l'ai depuis depuis très très longtemps. Il fait partie de mes premiers jeux. Donc voilà, vous voyez, on a des plus petites cartes. On peut faire des tirages par oui ou par non parce qu'on a les sorcières, les gentilles sorcières, les méchantes sorcières. On tire trois cartes et si on a deux méchantes sorcières, une gentille, eh bien, la réponse sera non à notre question. Si on a deux gentilles ou trois gentilles, la réponse sera oui. Voilà, donc c'est sympa. C'est sympa, ça reste léger. Ce sont des coffrets qui sont légers. Et ça fait une bonne première approche, je trouve. Ensuite, on a la magie des arbres. Voilà, sur le thème des arbres. Ah non, vous voyez, j'ai dit une bêtise. Il me semblait que les cartes étaient plus petites aussi. Elles étaient comme les autres, mais non. Sont un petit peu plus grandes. Voilà, donc là on va travailler en plus sur la connexion à la nature, hein, forcément, la connexion à l'arbre, donc très très sympa aussi. Hein. Hop. Voilà, toujours avec pas mal de tirages, vous retrouvez hein, le tirage du oui et du non. Et ces jeux-là peuvent s'adresser aussi aux adultes. Hein. Voilà, je dirais ado, mais même pour les adultes, quand on a envie d'un petit peu de légèreté, ben moi je trouve que ces jeux, ils sont très sympas, ils sont faciles à prendre en main, on peut les emporter un peu partout. Et même si les illustrations restent un peu enfantines, au final, c'est vraiment des jeux qu'on peut utiliser. Et... Ouais, je crois que le mot-clé pour ces jeux, c'est légèreté quand on les utilise en tant qu'adulte. Voilà. Ensuite, un jeu pour les tout petits, enfin pour les tout petits, pour les petits, on va avoir l'oracle des elfes. Je vous ai fait une présentation avec ma pépette d'ailleurs de ce jeu, elle a beaucoup aimé. Et là, on a juste un petit message qui apparaît sur la carte. Et en fait, les enfants vont beaucoup aimer en fait se connecter à l'illustration. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait le petit bonhomme? Il est en train de regarder à la loupe. Là, c'est préserve ton petit secret. Donc, on va pouvoir parler des secrets avec l'enfant. Donc, c'est sympa. En fait, ça nous donne des thèmes pour parler avec eux. Et comme les cartes sont rigolotes en forme de cœur, comme ça, que les enfants aiment bien les toucher, justement, ça va être ludique, on va faire ça sous forme de jeu. On va travailler avec eux avec une notion sous forme de jeu. Après, les petits mots-clés qui sont écrits sur la carte, les petites phrases-clés, sont un petit peu bateau pour les enfants. Il faut vraiment leur expliquer, il faut aller au-delà de simplement... c'est le moment de faire place nette. Vous voyez qu'un enfant de 4 ou 5 ans ne comprendra pas. Qu'est-ce que ça veut dire faire place nette? Bon, bah écoute, c'est le bon moment pour toi pour ranger ta chambre aujourd'hui. Voilà, on va pouvoir utiliser ça comme ça. Reste réaliste. Alors, on va pouvoir leur expliquer la notion des rêves, la réalité, le rêve, etc. Donc, il faut bien sûr hein, développer. Là, c'est trop minimaliste pour que les enfants comprennent. Mais ça reste une bonne base vraiment pour travailler avec eux. Et vraiment, ils adorent. Enfin, en tout cas, ma fille, moi, je peux vous faire un retour en direct hein, sur le fait qu'elle aime beaucoup voilà, les petites cartes en forme de cœur. Les dessins sont très enfantins. Donc, tout de suite, ça va leur parler. Voilà. Donc, l'oracle des elfes. Hop.
Le Perlipapote, qui est édité aux éditions du Souffle d'Or, qui a été réalisé par Frédéric Epeli. Et c'est un jeu très sympa. Alors je vais vous faire un zoom. En plus, c'est un petit jeu, donc pareil. Moi, je me suis amusée avec ma fille avec. Et là, c'est pareil, en fait, sur chaque carte, vous allez avoir une notion. Qu'est-ce que tu aimes? Et on va pouvoir parler. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? Et quels sont les différents types d'amour? Et puis, est-ce que tu aimes le chocolat? Est-ce que tu aimes papa et maman? Expliquer les différences. En fait, vous allez vous en servir pour travailler avec votre enfant. Pour expliquer des choses avec votre enfant. Que veux-tu semer sur terre? Quand es-tu timide? De quoi as-tu besoin? Alors, qu'est-ce que c'est que le besoin? Comment on le ressent? Voilà, donc je trouve que c'est vraiment des petits jeux qui sont chouettes pour aborder plein de thèmes avec les enfants et pouvoir ensuite les développer et leur expliquer avec nos mots et puis avoir une belle discussion avec eux. Il y a des petits exemples ici pour expliquer comment utiliser les cartes à l'intérieur. Donc vous pouvez très bien utiliser la façon qui est proposée par le jeu ou bien tirer une carte et puis parler sur le thème qui vous parle. Voilà, le Perlipapote. Alors, le Witchling, c'est un petit peu comme l'oracle des fées. Voilà. Ce sont des jeux, je vous les ai mis dans la catégorie enfant parce qu'en fait, les illustrations sont sympas. Alors, bien sûr, le Witchling, il est en anglais, donc un petit peu délicat, sauf si vous traduisez. En fait, le livret pour les enfants, ou au moins si vous traduisez la petite phrase en fait qui est ici, parce que finalement le livret il aborde des notions qui sont quand même assez complexes. Donc là, on va être soit à partir de 12 ans pour bien comprendre, soit on est déjà adulte et tout. Mais pour les enfants, ça peut être sympa de traduire juste la petite phrase qui est ici et puis de leur laisser travailler les cartes. Vous voyez que les illustrations sont tout à fait pertinentes pour des enfants, en fait. Donc c'est ça qui peut être sympa. Voilà. Et dans le même état d'esprit, donc là c'est celui sur les sorcières, dans le même état d'esprit, vous avez bien sûr celui sur les fées, le coffret sur les fées, qui là est en français. Alors c'est pareil, hein, ça va être le livre à l'intérieur aborde des notions qui sont assez complexes aussi. Même s'il les aborde de façon assez simple, ça va pas être, je suis pas sûre qu'un enfant de 10 ans soit, en plus les textes sont longs, donc je pense qu'un enfant de 10 ans ne sera pas, il risque de se lasser, donc ça serait dommage. Voilà, quand on a 14-15 ans, c'est autre chose. Là, on entre déjà dans la phase où on peut aborder plus facilement toutes ces notions-là et moins se lasser par un texte un petit peu plus long aussi. Mais pour les plus jeunes, ça va être compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est juste voilà, de leur dire bah, « prends les cartes et puis travaille avec juste le petit message qui est ici ». Voilà, par exemple, l'amitié. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croise votre chemin, vous découvrez l'amitié. Et puis, travaillez sur le thème de l'amitié. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Donc, vous voyez, c'est un petit peu complexe quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est la lumière intérieure, tout ça. C'est pas forcément une notion qui est simple pour les enfants, mais ça permet aussi d'en parler avec eux. Après, je pense que à partir d'un certain âge, vous leur expliquez une fois, deux fois, vous revenez deux, trois fois comme ça sur la notion qui est liée à la carte, et ensuite, lui, il peut ou elle peut très bien travailler toute seule après. Voilà, la beauté intérieure, la beauté extérieure, créativité, laissez votre flamme créative opérer sa magie. Donc, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire de créatif aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de dessiner, de peindre, de jardiner, de faire de la cuisine? Qu'est-ce qui te parle quand tu as... Voilà. Donc faire un carnet, écrire, ça peut être des jolies petites notions à travailler avec eux, sans aller vraiment avec le livre, voilà. Mais les dessins sont tout à fait appropriés à des enfants, donc c'est pour ça que je me suis permis de vous les glisser là. Ensuite, on a aux éditions du Souffle d'Or, les Voyageurs du Bonheur. Alors, il y a plusieurs auteurs et illustrateurs. Enfin, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus. Et c'est pareil, celui-ci, il est tout à fait adapté aux enfants. On a un jeu de famille, en fait, où on va travailler sur la notion de bouger.
balade dans la nature, bouger comme un lièvre, le yoga de la paix avec la tortue. On va travailler sur les émotions. À chaque fois, on a les cartes des émotions. On va travailler sur la notion de partage, sur manger, sur des notions de bien-être, sur les notions dormir. Voilà, et à chaque fois, on peut le travailler comme un jeu de cette famille. Le Joker, la créativité. Alors, le Joker, il est génial, bon pour un câlin magique. Donc ça, c'est tout à fait, avec des jeunes enfants, c'est tout à fait approprié. C'est un jeu qui est très sympa. Le livret est très très bien fait. Je vous ai fait une présentation de ce jeu. Le livret est vraiment bien fait justement pour travailler avec les enfants. Il y a une partie qui s'adresse directement à l'enfant. Donc très très sympa. Celui-là, je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, nous avons... Alors, le Féminilune, je vous en parle après. Nous avons le Magical Toy Box. C'est une série de John et Kathleen Matthews. Et ils ont fait plusieurs coffrets. Ce ne sont pas vraiment des coffrets de jeux, oracles, comme je vous en ai présenté précédemment. Mais ce sont des coffrets, en fait, où... Voilà, je vais vous montrer des très jolis coffrets avec de très grandes cartes. Hop là. Où vous avez un très bref livret en anglais avec quelques notions justement par carte, un petit texte par carte. Vous avez des très grandes cartes comme ça et en fait l'enfant va construire son histoire, il va se raconter une histoire avec ses cartes. Vous avez chaque coffret est sur un thème, vous avez plein de thèmes différents et chaque coffret est sur un thème, ils sont aux alentours de entre 5 et 10 euros à chaque fois, donc c'est vraiment pas cher. Et ici, vous avez la boîte magique des jouets. Et donc, vous avez les thèmes autour des jouets, l'enfant malade, l'hôpital des jouets, la maison de poupées, etc. Donc, voilà, vous avez plein de cartes. Et en fait, vous allez simplement laisser l'enfant construire son histoire. Voilà. Et vous avez derrière... Mais alors c'est en anglais, bien sûr, un petit texte avec des petites questions que l'enfant peut se poser ou que vous pouvez poser à l'enfant pour aller un petit peu plus loin. Donc il peut piocher une carte et puis vous allez poser une question, par exemple ici sur le robot, comment je peux aider? Comment est-ce que je peux aider? Après, ne me demandez pas de tout vous traduire. Vous savez que je ne suis pas super à l'aise en anglais. Mais voilà. Et puis, vous pouvez très bien pré-traduire et puis coller une petite feuille ou un petit... ou dire à l'enfant, voilà, tu me demandes et puis je te traduis les questions. Google Trad est notre ami pour faire ce travail-là. Voilà. Pour avoir les notions qu'il faut. Et c'est très sympa. C'est très sympa d'avoir ce côté, je pose des questions, je travaille sur une carte, sur la notion dont parle la carte. Puis ensuite, je me construis mon histoire. Alors ici, on est complètement dans le cauchemar avec ce qu'il y a sous le lit. Et là, on voit qu'il y a un monstre sous le lit, que le petit enfant, il a peur. Donc de quoi tu peux avoir peur? Qui protège l'enfant? Qui peut te protéger dans ton sommeil? Donc les doudous, il va vous répondre, vous allez poser des questions comme ça dessus. Voilà. Le set de train, la poupée dansante, voilà, donc le fabricant de jouets. Donc très sympa, vraiment très très sympa. Puis vous pouvez choisir votre thème, avoir plusieurs thèmes. Donc ça, c'était une belle découverte. Et je vais terminer par un jeu très particulier qui est le Féminilune. Alors voilà, je vous refais un petit zoom. Un jeu donc de Monique Grande, avec des illustrations de Gaïa Orion, qui est édité au Courrier du Livre et qui est une pure petite merveille pour les jeunes filles qui vont avoir leurs règles et qui vont les avoir ou qui ne les ont pas encore, mais pour leur expliquer cette notion de cycle, qu'est-ce que c'est que le cycle, comment elle va se sentir, qu'est-ce qui va se passer, comment elle peut travailler aussi sur son cycle et en faire aussi cette part un peu mystique
Parce que bien sûr, à notre époque, quand on entend, surtout quand on est adolescent, qu'on est confronté à la découverte de son corps, à la sexualité, au regard des autres, ça peut être excessivement dérangeant justement d'appréhender ces cycles, de comprendre aussi ce qui se passe dans son corps. Et ici, eh bien, c'est un coffret qui va vraiment être pertinent pour travailler sur cette notion-là et pour l'appréhender de façon très positive, avec ce petit côté en plus magie, découverte de soi, travail un peu mystique, donc un peu secret, et ça va parler aux jeunes filles. Et puis autant il y a des jeunes filles qui vont avoir leurs règles à 17 ans, qui vont avoir fait déjà tout un tas de travail comme ça, qui vont s'être déjà posé des questions, qui vont avoir déjà eu des copines qui ont eu leurs règles, donc elles vont pouvoir avoir déjà une appréhension du cycle et de cette notion-là. Et autant vous allez avoir des jeunes filles qui vont avoir leurs règles à 9, 10, 11 ans, 12 ans, donc très tôt, et qui n'auront pas du tout cette appréhension, qui ne savent même pas ce qui leur arrive en fait. Et je trouve que c'est très très important de pouvoir en parler. De pouvoir en parler autour de soi. Alors ce coffret-là est vraiment bien fait. Voilà, je vous montre en plus les illustrations. Donc il y a tout un livret hein, pour travailler avec les cartes, pour se relier à différents aspects de soi, sans forcément faire tout le travail qui est présenté dessus, parce que peu importe, ça peut être simplement une première approche. Alors les cartes sont rondes, donc il vient avec un petit pochon comme ça. Et on a des cartes rondes, donc on est bien dans cette thématique du cycle. Voilà le dos des cartes. On a des cartes qui sont belles, on voit des personnages qui sont libres, qui dansent, qui sont à l'aise avec leur corps. On a ici la notion de se relier. Vous voyez, on a des mots-clés tout autour. Donc on a se relier, faire silence, honorer, lâcher prise, se reposer. Et puis là, on arrive dans le cercle dédié à la première phase, donc la phase de la jeune femme, où on a désiré, communiqué, dansé, se libérer, s'érotiser, se mettre en mouvement, fleurir. Voilà, donc on a des couleurs différentes pour chaque phase en fait de son cycle. Donc ça peut être très intéressant si vous voyez que c'est intéressant de le mettre dans les mains des jeunes filles de 14-15 ans et de leur laisser faire leur petite leur découverte. Pour des enfants, pour des jeunes filles un petit peu plus jeunes, c'est important de travailler avec elles, vraiment. De survoler certains aspects, comme par exemple s'érotiser à 9 ans, ça va absolument pas... Enfin, on peut aborder la notion, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment leur parler. Par contre, voilà, leur expliquer que ben c'est normal qu'on se sente fatigué parce que les hormones jouent sur notre cycle, sur notre morale, sur notre humeur aussi. Donc il y a une période où on a besoin, par exemple, de se reposer et c'est quelque chose de normal. Voilà, il faut arriver à comprendre ça. Donc voilà, suivant les âges, adaptez, faites votre propre découverte déjà avec ce jeu et puis ensuite parlez-en avec vos enfants, pourquoi pas d'ailleurs aussi en parler à vos garçons, parce qu'après tout, on vit les uns avec les autres aussi et c'est important aussi des fois de comprendre que sa sœur, elle est pas très bien parce qu'elle a ses règles en ce moment, elle a besoin de se reposer ou voilà, ou elle a mal au ventre ou voilà, il y a des choses qui peuvent aussi s'expliquer aux garçons et qui démystifient un petit peu tout ça. Et je trouve que c'est important. C'est important que chacun comprenne aussi les cycles des uns et des autres. Voilà, pour le respecter. Donc voilà, pour tous ces jeux, merci aux maisons d'édition vraiment de nous faire, et à tous ces beaux créateurs de jeux, de nous proposer autant de beaux coffrets pour nos enfants, pour les faire grandir. Voilà, c'est chouette. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les amis.